comme un son, nous réunir les jeunes aujourd'hui. We still have a youth meeting today. Comme aujourd'hui c'est vendredi. And today is Friday. Il y a des soeurs qui sont au travail. And there are some people who are at work. Il y a des soeurs qui vont arriver en retard. Some are going to come very late. Et il y a des soeurs qui vont arriver demain. And others are on the way coming tomorrow. Mais nous allons commencer peut-être le programme. We are forced to start as it was mentioned a program. Amen. Je pense que vous êtes prêts pour le réunion des jeunes. So I believe that you are ready for the youth meeting. Je crois de tout mon cœur que nous serons bénis. So I believe with all my heart that we can be blessed at this Amen. This place. Nous avons la visite de nos bien-aimés qui sont venus de très loin. So we have the visit of our brothers, beloved brothers and sisters coming from far. Premièrement, je vais commencer par présenter le frère Josué Kalala, qui est le pasteur de Rehobot Tabernacle en Suède. So let me start by introducing Brother Joshua Kalala, who is pastor of Rehobot Tabernacle in Sweden, Stockholm. Je vais lui laisser nous dire quelques mots. So I want to let him tell us some words. Juste pour saluer l'église. Just a kind of greeting people here. And then, he's here just next to me, and I believe that you know him. Pastor Josué Kalala. His name is Pastor Joshua Kalala. Alright, so we thank the Lord for the privilege of being here. Nous remercions le Seigneur pour le privilège d'être ici. When a brother feels in his heart to do something for God, vous savez, quand un frère sent dans son cœur qu'il doit faire quelque chose pour Dieu, and that we can help to support him in doing it, we do it. Si nous pouvons lui prêter main forte pour le faire, nous le faisons. I remember some years ago in Sweden. Je me rappelle quelques années en Suède. There was a brother, he lives in Norway, and he used to go from place to place to show the film, the movie of Billy Branham, Deep is Calling the Deep. Yeah, je me rappelle d'un frère qui vivait en Norvège. Yeah, qui vient. Qui vient en Norvège. And he used to show the film everywhere in Norway. Il passait partout et pour faire passer le film de Billy Branham, la profondeur de la profondeur. He could, for example, rent or hire a cinema. Il pouvait louer une salle de cinéma. Pay the money so that they could show the. Il va payer l'argent et on va projeter le film. And one time he hired a local in a hotel. Un jour il avait loué un endroit dans un hôtel. And that place was 4 hours drive from our place. Et cette place là était 4 heures de conduite. And we had the film program in our home. Nous avions le film de Frère Branham dans notre maison. But when I heard that brother is going to show the film just for the people to see the prophet. Mais quand j'avais appris que le frère allait projeter le film pour que les gens puissent le voir, my family, let us go and support this project. J'ai dit à la famille, nous devons aller et nous prêter main forte à notre frère. And we had to drive 4 hours. Et on devait conduire pendant 4 heures. To go and watch a film that we had at home. Pour aller suivre un film qu'on avait déjà à la maison. The objective was l'objectif était to back when a brother who tries to do something for the kingdom of God. L'objectif c'était de prêter main forte à un frère qui essaie de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. And that's why when Brother Eric told me that he felt in his heart to have a meeting for the young people. Voilà pourquoi quand le frère m'avait dit qu'il avait qu'il sentait qu'il devait faire des réunions pour le jeune. I told him that I will be there with my family. Je lui ai dit que je serai avec ma famille. And by the time we went to US, we met Pastor Mario. Et pendant que nous étions partis aux États-Unis, on avait When we heard him preach, quand on l'avait écouté prêcher, and we said, oh, this one is good for the youth meeting. Il sera très bon pour les jeunes. So that's why we are here. Voilà pourquoi nous sommes ici. And we believe God will bless us. Et nous croyons que Dieu nous bénisse. God bless Brother Eric for this initiative. Et que le Seigneur puisse bénir Frère Eric pour cette initiative. Thank you. Merci. Amen. Amen.
Comme on n'a pas assez de temps, je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que demain, les réunions vont commencer à 10h. Since we do not have much time, so I won't take a long time here because tomorrow the meetings will be starting at 10. On sera très matinal demain matin. So we are going to be a very come early pour finir aussi tôt. To also to finish early. Parce que le dimanche aussi, on aura une longue journée. Because on Sunday also we are going to have a very long day. Donc venez tôt demain. So try to be early tomorrow. Pour finir tôt. So we can finish also early. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais. Nous avons aussi notre frère, le frère Gilles Kumbu. We have also a brother Gilles Kumbu. Qui est venu de la Suisse. Okay, from Switzerland. S'il peut se lever, nous allons le saluer. So let him, he can stand up and want to. Shalom. Shalom. On m'a donné le nom de Gilles. So, but they call me Gilles. Et moi je suis, je m'appelle Jésus. But, Amen. La Bible nous dit que toute la famille dans le ciel, sur la terre. The Bible says all the family in heaven and on earth. Porte le nom de Jésus. Amen. Jesus. Amen. C'est pour ça que j'appelle Jésus. Amen. My name is Jesus. Amen. Nous sommes venus comme le frère a dit. So we came as my brother said. Pour soutenir le frère ici. To just support our brother Eric. Considérer les jeunes. Because it is like a youth meeting. Moi c'est Jésus jeune. Amen. Yes. Je suis jeune. I am so young. Donc nous sommes venus apprendre. So we have come to learn. À cette réunion pour nous les jeunes. In this meeting for us young people. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Le Seigneur bénisse le frère Gilles. Oh, God bless the brother Jesus. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. It's someone that I love very much. C'est parmi mes meilleurs amis. He's one of my best friends. Et il m'aime aussi. And he loves me too. Amen. 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 Yeah. Le pasteur Faustin de Manchester. And there is Pastor Faustin from Manchester. Qui arrivera demain. Oh, he's going to be here tomorrow. Je n'ai pas dit qu'il est là. I don't say that he's here. Parce que j'ai parlé de lui tout le monde à tout le monde. I spoke about him before the time the world was asleep. Il arrive demain so avec toute sa famille. He's coming tomorrow with all his family. Et il y a aussi le frère Jean de Dieu de Londres qui arrivera demain. Also brother Jean de Dieu from London is coming also tomorrow. Et beaucoup de gens arriveront demain. And many other people will be here tomorrow. Aujourd'hui nous allons écouter la parole avec le pasteur Mario. Today we are going to hear the word of God by Pastor Mario. Avant que je puisse l'inviter ici. So before I invite him here, il venait s'il veut se présenter lui-même. And then when he come, he introduce himself. J'ai fait sa connaissance demain. Hier, pardon. So I knew him only yesterday. Et je l'ai aimé. And I loved him. Je pense qu'il sera une bénédiction. So I believe that it's going to be a blessing. Et il s'appelle Marion. And his name is Marion. Amen. 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 Vous connaissez le nom Marion? Yeah. You know the name Marion. Je lui ai posé la question de savoir. And I asked him why. Comment est-ce qu'il s'appelle Marion? How come that his name is Marion? Il me dit que son père lui a donné ce nom. He told me that his father gave him that name. Moi je dis, ton père c'est un croyant du message. And I asked him, is your father a message believer? He dit oui. He said yes. C'est un prédicateur. My father is a preacher. Donc le souhait de son père est accompli dans sa vie. So the wish of his father is fulfilled in his life. Le souhait de tout père. So the wish of any father. C'est de voir son fils emprunter un bon chemin. Is to see his son taking a good way up to the end. Vous savez, nous on peut parler à nos enfants. You know, we can speak to our children. Nos enfants sont nés dans le message. Our children are born in the message. Nous on n'est pas nés dans le message. Oui. I personally, I am not born parents who are believers in the message. Je suis venu dans le message par ma
propre expérience. I came to the message by my own experience. C'est-à-dire que mon expérience n'est pas comparable à l'expérience de mes enfants. So it means that my experience is not to compare with my children's experience. Parce que mes enfants sont nés dans le message. Because my children are born living the message. Tout est normal pour eux. So everything seems to be normal for them. Elles sont nées et mettent toujours des jupes. They were born since they were young. They put on their head only skirts. Elles ne mettent pas de maquillage. They have no makeup. C'est normal. For them, it's just normal life. Par rapport à leur maman. Compared to their mother, elles sont venues le message. Who, when she came to the message, il y avait des choses à laisser tomber. She had things that she had to let down, to stop. Mais nos enfants n'ont rien à laisser tomber. But our children had nothing to stop. Mais cela ne fait pas d'eux des chrétiens. But that doesn't mean that they are Christians. Ils ont besoin d'une expérience avec Dieu. They need an experience with God. Une expérience personnelle. A personal experience with God. Le frère Branham dit que Dieu n'est pas un grand-père. Brother Branham says that God is not a grandfather. Dieu n'a pas de petits-fils. God has no little children. Grandchildren. C'est-à-dire que le message ne doit pas être la religion de mon père. So, the message for your children should not be like the religion of my father or my parents. C'est pourquoi j'ai aimé la présence de frère Marion. That's why I really, really appreciate the presence of Pastor Marion. Parce que lui, il est né dans le message. Because he was born in the message. Il a fait une expérience autre que la mienne. And he went through an experience different from the one I went through. Il n'avait pas de choses à abandonner. He had nothing to let down. Mais il a fait une expérience avec Dieu. Yet he went through an experience with God. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu. In order to have a personal relationship with God. Je pense qu'il a une bonne position, sa position est mieux que la mienne. So I think that his position is better than mine. Il pourra transmettre cette expérience-là à nos jeunes. Then that experience that he has, he can just transmit it to our children, our young people, pour que nous puissions aussi être contents ou joyeux comme son père. So that we might also be happy like his father is happy. Amen. 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 Are you ready, young people? Yeah. And who pray, young John? One of the young people is from 6 to 60. Quand je dis jeune, ça veut dire depuis 6 ans jusqu'à 60 ans. Everyone is concerned. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ceci. Amen. So now I'm going to invite Brother Mario. So, maintenant je vais inviter le Brother Mario. He is the pastor in America, in Maryland. Il est pasteur dans une église à Maryland. It's called the Christian Fellowship Tabernacle. Et l'église est appelée le tabernacle de la fraternité chrétienne. So he traveled. La communion chrétienne. He traveled from USA. Donc il a voyagé depuis les États-Unis. He came here just to preach the word of God. Et il est venu ici seulement pour prêcher la parole. So the main reason of his presence in this place. La raison principale de sa présence en ce lieu is only to preach the word. C'est seulement pour prêcher la parole. I'm sure that God is going to bless you. Et je crois que Dieu va vous bénir. I invite Paul and Marie. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. C'est toujours un privilège d'être parmi les frères. David said one time. Une fois David a dit. I was glad when they said unto me. J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit. Let us go into the house. Allons à la maison du Seigneur. Voyez, c'est toujours une bénédiction. I'm very happy to be here tonight. Et moi, je suis très content d'être ici ce soir. Et je voudrais vraiment exprimer mon appréciation pour le frère Josué, pour cette invitation. I appreciate Pastor Eric for accepting. Et puis, j'ai mon appréciation pour le pasteur Eric pour m'avoir accepté ici. One thing I want to say. Une chose que je voudrais dire. We are not strangers.
Et le problème est que nous ne sommes pas des étrangers. We may just be knowing ourselves today. Il se pourrait que nous nous connaissions aujourd'hui. But we've known ourselves on the foundation of the world. Mais en réalité, nous nous connaissons depuis avant la fondation du monde. So in the house of God, alors dans la maison de Dieu, we are all brothers and sisters. Nous sommes tous des frères et sœurs. Well, I will introduce myself a little bit. Alors je voudrais me présenter un tout petit peu. My name is Brother Marion. Et mon nom c'est le frère Marion. And by the grace of God, I live in the United States. Et par la grâce de Dieu, je vis aux États-Unis. And I pastor a church over there in the US. Et puis je suis en train de diriger une église comme pasteur là-bas aux États-Unis. I am married. Je suis marié. Happily married. Je suis marié avec joie. To the best woman in the world. Et à la meilleure femme dans le monde. Yes, sir. Amen. And God has blessed me with three children. Et Dieu m'a béni avec trois enfants. My first child, his name is Daniel. Et mon premier enfant, son nom c'est Daniel. He will be 12 this year. Dans ce mois ici, il va avoir 12 ans. My second child's name is Rebecca. Et mon deuxième enfant qui est une fille s'appelle Rebecca. She is 11. Elle a 11 ans. I'm sorry, 10. Oh, excusez-moi, elle a 10 ans. And the baby of the house is David. Et le Benjamin de la maison c'est David. He is 6 years old. Et il a 6 ans. That is what the Lord has blessed our union with. Voilà tout ce avec quoi le Seigneur a béni notre union. My wife's name is Peace. Et le nom de ma femme c'est Peace, la paix. Un nom merveilleux. Que Dieu soit béni pour ça. Alors je vous transmets les salutations de notre église. Amen. Alors nous vous en transmettons toutes leurs salutations. Avant que nous puissions entrer dans la prédication de la parole, puissions-nous nous lever du tête de Dieu et que nous puissions lire dans les Écritures. Puissions-nous ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 26. Si vous atteignez le chapitre, vous pouvez dire Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus. Thank you for the time. Nous te remercions pour un temps comme celui-ci. Thank you for the privilege you've given us. Nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné. To come into your presence. De venir en ta présence. To speak about you. Et de parler de toi, Seigneur. Father, we know. Seigneur, nous savons. Any man that knows his ABCs. Que n'importe quel homme qui peut réciter son ABC. Can pick the Bible and read from it. Peut prendre la Bible et le lire. Mais c'est seulement toi qui es capable de donner la révélation. Seigneur, nous demandons la révélation. Puisses-tu venir nous parler comme tes enfants? Si jamais quelqu'un est sur la route en train de venir, nous prions que tu puisses nous amener sains. Et à la fin de cette réunion ce soir, puissions-nous tous apporter un témoignage en disant que nous avons été dans ta présence. Accorde-les, Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 2 Chroniques 26. We start from verse 1. Alors, commençons par le premier verset. The Bible says, la Bible dit, then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amaziah. He built Eloth and restored it to Judah. After that, the king slept with his fathers. Ozias rebâtit Eloth et fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché. I want us to pay attention to this next verse. Je voudrais que nous puissions faire très attention par rapport à ce prochain verset. 16 years old was Uzziah when he began to reign.
Et Ozias avait 16 ans lorsqu'il a commencé à régner comme roi. And he reigned 52 years in Jerusalem. Et il a régné pendant 52 ans à Jérusalem. His mother's name also was Jecolia of Jerusalem. Et le nom de sa mère était Jecolia de Jérusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amaziah son père. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. May the Lord bless the reading of His word. You can please have your seat. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Que je sois. God helping us. Par l'aide de Dieu. In these meetings. À travers ces réunions. I want to say this before we go ahead. Je voudrais dire ceci avant que nous puissions aller de l'avant. That I do not have a message of my own. Moi, je n'ai pas un message qui m'est propre. I believe one thing. Je crois une chose. In this day. Et dans cet âge. In this generation. Et dans cette génération. In this our time. Et dans notre temps ici. That God has sent us a prophet. Que Dieu nous a envoyé un prophète. And whenever God sends a prophet, et chaque fois que Dieu envoie un prophète, there is a purpose why God sent that prophet. Il y a une raison pour laquelle Dieu a envoyé ce prophète. In the book of Amos, dans le livre d'Amos, chapter 3, verse 17, au verset 3 et au chapitre 3, verset 7, the Bible says, la Bible dit, the Bible says, la Bible dit, the Lord God will do nothing. Que le Seigneur l'Éternel ne fait rien. But first of all, sans avoir, he will reveal his secret. Révéler son secret to his servants, the prophets. À ses serviteurs, les prophètes. Right from time immemorial, alors, dans les temps mémoriaux, God has always chosen man to speak to man. Depuis le temps passé, les temps mémoriaux, Dieu a toujours utilisé ou choisi l'homme pour parler. Let me say this, brethren. Laissez-moi vous dire ceci, mes frères. That when the children of Israel, lorsque les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, when they were suffering under the tax masters, alors qu'ils souffraient sous les maîtres des corvées, ils savaient that they have to leave Egypt. Que un jour ils allaient quitter l'Égypte. They knew ils savaient that that was not their homeland. Que l'Égypte n'était pas leur pays. They knew ils savaient that Egypt they have to go. Que l'Égypte ils devaient partir. But there was no way for them to leave Egypt. Mais il n'y avait pas moyen pour eux de quitter l'Égypte. Even though they knew they had to leave. Même s'ils savaient qu'ils devaient partir. Until one day, jusqu'à ce qu'un jour, God sent them. God sent them Moses. Dieu leur envoya Moïse. Now, brethren, listen. Alors, mes frères, écoutez. God did not just send Moses. Dieu n'a pas seulement envoyé Moïse. God gave Moses a training. Plutôt, Dieu a entraîné Moïse. Moses was going by the bushes one day. Lui, il allait vers les buissons. And God, knowing Moses. Et Dieu connaissant Moïse. Moses well educated in Egypt. Moïse étant bien instruit en Égypte. God came down. Dieu est descendu. To show unto Moses. Afin de montrer à Moïse. That despite your degree. Que peu importe tes diplômes. Despite your education. Peu importe ton instruction. I have something that you don't have. Moi, j'ai quelque chose que toi tu manques. So God allowed the bush to be burning. Alors Dieu a permis que le buisson puisse brûler. And the leaves were not consumed. Et qu'il ne puisse pas être aimé, que les feuilles ne se consument pas. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? To catch the attention of Moses. Afin d'attirer l'attention de Moïse. So Moses, ainsi Moïse, with all his scientific education, avec toute cette instruction scientifique, he has never seen something like that before. Il n'a jamais vu quelque chose de pareil avant. So he decided to stop. Alors il s'est décidé de s'arrêter. Maybe to take some samples to the lab. Et peut-être de prendre un petit échantillon et l'amener au lab. In order to take the il voulait prendre ses feuilles et la mettre afin d'étudier qu'est-ce qui s'est passé. Comment se fait-il que ce feuille brûle, mais il se consume pas. And why he stop?
Alors pendant qu'il s'est arrêté, Dieu l'appela. Moses, take off your shoes. Enlève tes chaussures. Because the ground you are standing, le lieu sur lequel tu te tiens, is an holy ground. C'est un lieu saint. Now God has gotten his attention, right? Alors voilà, Dieu attire d'abord son attention. God said, what is that in your hand? Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? A rod. Il dit, j'ai un bâton. He said, throw it down. J'ai une verge. Il dit, jette-le par terre. He threw it down. Lorsqu'il le jeta par terre, the rod became a serpent. Alors la verge devient un serpent. Church, read the Bible. Église, lisez-vous. Moses was afraid. Moïse avait eu peur. He ran away. Il a fui. God said, come back here. Dieu dit, retourne ici. Pick that serpent by the tail. Il ramasse ce serpent par la queue. He picked up by the tail. Il prit le serpent par la queue. He became a rod again. Et c'est redevenu la verge. George, what was God doing? Qu'est-ce que Dieu faisait? God was training Moses. Dieu était en train d'entraîner Moïse. He said, now let me see your hand. Dieu lui dit, montre-moi ta main. Put it in your bosom. Mets-le dans ta poitrine. Bring it out. Et fais-le sortir. His hand became leprous. Quand il fait sortir, c'était plein de lèpre. He was afraid of his hand being leprous. Il avait peur de sa propre main. God said, put it back in your bosom. Dieu lui dit, remets ça dans ton sein. He put it back in his bosom. Quand il le remet, bring it out. Et fais-le sortir. His hand was numb. Sorti et sa main était pure. God has said, now go to Egypt. Dieu lui dit, va maintenant en Égypte. Remember, church. Rappelez-vous, Église. Moses was in Egypt before. Moïse était d'abord en Égypte. Something happened in Egypt. Mais quelque chose est arrivé en Égypte. That made him run away. C'est après que Moïse a fui l'Égypte. Now God is sending him back to Egypt. Maintenant Dieu le renvoie à l'Égypte. Not the same Moses that ran away. Ce n'était plus le même Moïse qui avait fui. But Moses that has met God. Mais c'était un Moïse qui a rencontré Dieu. A different Moses. Un Moïse différent. So when he went to Egypt. Et lorsqu'il est allé en Égypte, remember, rappelez-vous, God did not tell him. Dieu, God did not tell him. Dieu ne lui a pas dit that there will be Jabez and Jambres in Egypt. Dieu ne lui a jamais dit qu'il y aurait jamais ces Jambres. So when Moses got to Egypt, et lorsque Moïse est parti en Égypte, he thought he had something special. Lui, il pensait qu'il avait quelque chose de spécial. When he saw Pharaoh, lorsqu'il a vu Pharaon, he said, God said, let my people go. Il lui dit, laissez mon peuple sortir. Pharaoh said, why are you talking? Le pharaon dit, mais toi, tu es qui là, toi qui parles? He took his rod. Il a pris la verge. He threw it on the ground. Il l'a jeté par terre. His rod became a serpent. Et la verge s'est transformée en serpent. He thought Pharaoh was going to scream. Il pensait que Pharaon allait trembler. But Pharaoh was laughing. Mais Pharaon riait. He said, God, tell us and Jambres here. Appelez jamais there is somebody here. Il y a quelqu'un ici. That is trying to challenge you. Qui essaye de vous défier. And they call Jesus and Jambres. On appelle jamais ces gens. And they saw the rod become snake. Ils ont fui la verge de Pharaon. That was cheap magic. Oh, ça c'était qui de la paix. They brought their own rod. Et ils ont pris leur propre. They threw it down. Et ils ont jeté. It became serpent too. Et c'est devenu aussi des serpents. But what's the difference, church? Mais remarquez la différence. Moses has been trained by God. Moïse, lui, il a été entraîné par Dieu. Remember, Moïse s'est souvenu. When he threw the serpent down. Et lorsqu'il a jeté le serpent. Remember God telling him. Il s'est souvenu que Dieu lui a dit. Pick it by the tail. Récupère le serpent par la queue. Remember, Dieu, Moïse s'est souvenu. For him to stand in Egypt. Pour lui, pour qu'il puisse tenir en Égypte. Because God sent him to Egypt. C'est parce que Dieu l'a envoyé en Égypte. So he has learned. Alors, il a appris to always depend on God. Amen. Moïse a appris de toujours compter sur Dieu. So when Jabez and Jambres threw their sticks down. Lorsque Jabez et Jambres ont jeté qu'est-ce que Moïse a fait? He just stood. Il est resté tranquille. And let God have his way. Et il a laissé que Dieu fasse son plan. Brothers and sisters. Frères et sœurs. This battle that we are in. Cette bataille dans laquelle nous sommes. It's not my battle. Ce n'est pas mon battle. It's not your battle. Ce n'est pas le vôtre. It's the Lord's battle. Yeah. Yeah. And the Lord has never lost a battle. Et le Seigneur n'a jamais perdu. And he will not lose this one. Et il ne perdra pas non plus celle-ci. When Moses did all that God wanted him to do in Egypt. Quand Dieu Moïse a fait tout ce que Dieu voulait qu'il fasse en Égypte. It was time for them to leave Egypt. Alors le temps est arrivé pour qu'il puisse quitter l'Égypte. Observez l'Église. The children of Israel, les enfants d'Israël, even though they knew, même s'ils savaient, that they would leave Egypt, qu'ils quitteraient l'Égypte, they never knew how. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient quitter. Until when Moses came, jusqu'à ce que Moïse vint. So let me say this. Alors laissez-moi vous dire ceci. How many of us know GPS?
Combien de nous ont les GPS? When you are driving, lorsque vous conduisez, put your address in your GPS. Vous mettez l'adresse dans votre GPS. And your GPS will take you to your destination. Le GPS vous conduit à votre destination. So the GPS. Alors le GPS. Of how to leave Egypt. De pour la manière de quitter l'Égypte. Was in the hands of Moses. Était entre les mains de Moïse. Yes sir. Are you following the church? Yes. The GPS, le GPS of how to leave Egypt, de la manière de quitter l'Égypte, was in the hands of Moses. Était entre les mains de Moïse. What you do, ce que vous faites, is follow your GPS, right? C'est tout simplement suivre le GPS. In the exposition of the book of Hebrews. Alors quand vous avez le livre des Hébreux, Father Abraham taught us. Dans les Hébreux, he says the people. Il dit que le peuple, they were looking at Moses. Il dit les gens regardaient Moïse. Amen. Et Moïse was looking at the pillar of fire. Lui regardait la colonne de feu. Yes sir. Are you getting me? Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? When the pillar of fire moved, quand la colonne de feu avance, Moses moved. Moïse aussi avance. The people moved. Et le peuple aussi avance. Are you getting me now? Yes. When the pillar of fire stopped, et quand la colonne de feu s'arrête, Moses stopped. Moïse yes. s'arrête. The people stop. Et le peuple s'arrête. If you think, si vous pensez, you know more than Moses, et vous connaissez plus que Moïse, decide not to follow Moses, et vous ne voulez pas le suivre, you will come up lost. Amen. The same thing in this our day. La même chose aujourd'hui. God has sent us a prophet. Dieu nous a envoyé un prophète. And the name of that prophet, et le nom de ce prophète, is William. C'est William. Mary. Écoutez. God told the prophet. Dieu a dit au prophète. Store the messages. Emmagasine le message. Store the messages. Emmagasine le message. Because the bride. Parce que l'épouse. Will have need of it. En aura besoin. In Ohio River. À la rivière Ohio. When he was baptizing. Alors qu'il baptisait. The 17th person. La 17e personne. That same God came down. Le même Dieu est descendu. He said, as John the Baptist. Il dit de la même manière que Jean was sent. A été envoyé. To forerun. Pour préparer. His first coming. Ma première venue. You are sent. Tu es aussi envoyé. With a message. Avec un message. Yes, sir. With a message. Avec un message. To forerun the second coming. Yes. Pour être le précurseur de la seconde. Son of the living God. Église du Dieu. This message, ce message is real. This message, le message is life. C'est la vie. This message, le message is our protection. C'est notre protection. This message, le message is our all in all. C'est tout ce dont nous avons besoin. Let me take it one step further. Alors laissez-moi aller un pas plus loin. In the sermon talking, dans le message, le Seigneur nous dit, this message, que ce message is Christ. C'est Christ. Amen. 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 Yes, sir. Yes, sir. Amen. My. Yes. This message is right. I know it's a youth meeting. Je sais que c'est une réunion de jeunes. So I'm coming to the youth now. Pour maintenant, là, j'arrive aux jeunes. There are many things. Il y a beaucoup de choses in the world, dans le monde, that can distract. Qui peuvent distraire. Amen. A true parent. Un vrai parent. A true father. Un vrai père. A true mother. Et une véritable mère. All he or she is concerned about. Et tout ce dont elle est concernée, tout ce qui la préoccupe, is the best. C'est le meilleur for their children. Pour leurs enfants. Amen. Amen. Like what Eric said. Comme Frère Eric vient de dire. I grew up. Moi, j'ai grandi. Under this message. Dans ce message. That did not make me a Christian. Yes, sir. Ça n'a pas fait de moi un chrétien. Yes, sir. My father, mon père, was a pastor. Était un pasteur. And he's still a pastor. Et jusqu'aujourd'hui, il est pasteur. As a matter of fact, et en fait, my father preached in my church last night. Mon père a prêché hier soir dans mon église de pasteur. Yes, sir. Yes. But because my father is a pastor, mais parce que mon père est pasteur, did not make me a Christian. Mais cela n'a pas fait de moi, ou parce que mon père était pasteur. When I was young, parce que mon père était pasteur, cela n'a pas fait de moi un chrétien. Quand j'étais jeune, when I was young, quand j'étais jeune, I sat down in church.
Je m'asseyais à l'église. I listened to this message. J'écoutais ce message. I have my ideas about this message. Moi, j'avais mes idées par rapport au message. I thought my dad was just too strong. Je pensais que mon père était trop absolument. I thought the message was too hard. Moi, je trouvais que le message était trop difficile. I thought we can make this message easy. Moi, je disais que non, on peut quand même rendre ce message un peu facile. But I'm standing here to tell you. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui. That the only place. Le seul endroit where you will find success, où vous pouvez avoir du succès, under the canopy of this message. C'est seulement en dessous de la protection de ce message. I'm sorry if I hurt your feelings. Excusez-moi si je blesse vos sentiments. But that is the truth. Mais c'est la vérité. Amen. Jesus Christ said. Jésus a dit. Seek ye first. Cherchez premièrement the kingdom of God, le royaume de Dieu, and its righteousness, sa justice. Then all other things, tout le reste des choses, shall be added unto you. Vous seront ajoutés, donnés par. There is somebody that is here tonight. Il y a personne ici ce soir. In his right senses, dans son bon sens, you want to be successful. Qui ne veulent pas avoir du succès. You want to make it in life. Vous voulez réussir dans la vie. But the problem I have found, mais le problème que j'ai découvert, is that we want to make it first before God. C'est que nous voulons le faire avant Dieu. When God is the real success. Alors que Dieu c'est le véritable succès. How can you be successful without success? Mais comment est-ce que tu peux avoir du succès sans avoir le succès lui-même? John, let me tell you something. Et laissez-moi vous dire ceci. You cannot cut corners around the word of God. Vous ne pouvez pas faire de raccourcis. The word of God. La parole de Dieu. The word of God is perfect. La parole de Dieu est parfaite. If you want to make it, si vous voulez réussir, follow the instructions as it is said. Suivez les instructions telles que c'est dit. Many people have accused me. Beaucoup de gens m'ont accusé. Of following the prophet word by word. J'ai été accusé de suivre le prophète mot à mot. I can't help it. Moi, je n'en peux rien. Because I have found in there to be life. Parce que je ne peux pas faire autrement parce que j'ai trouvé que là-dedans il y a la vie. Amen. I tell the church at home. J'ai dit à mon église là. And I will say it here too. Et je vais le dire encore ici. I believe Brother Branham so much. Je crois tellement Frère Branham. That even when he said good morning friends. Au point que même quand il dit bonjour mes amis. I believe it. Là, je le crois. Yes sir. Yes sir. May God help us. Okay, Dieu nous aide. That is just a little introduction as we go ahead. Ça c'est une petite introduction. Amen. Now, this evening, ce soir, I want to speak on this subject. Je voudrais parler de ce sujet. The effects of influence. Les effets de l'influence. Amen. The effect of influence. Les effets de l'influence. Influence. L'influence is very important. C'est très important. But then it depends on where you are getting your influence from. Mais tout dépend de là où vous tirez votre influence. Yes. In this world, dans ce monde, there are two powers. Il y a deux that controls this world. Amen. Qui dirige ce monde. And every human being, et chaque être humain, under the surface of this earth. À la surface de cette terre, from the prime minister, depuis le premier ministre, to the beggar on the street, jusqu'au mendiant de la rue, is controlled by one of these two powers. Est contrôlé par l'une de ces deux puissances. You cannot be in between. Vous ne pouvez pas être au milieu. Including yourself. Même vous-même. Including myself. Et même moi-même. And those powers, et ces puissances, is the power of God, c'est la puissance de Dieu, or the power of the devil, ou la puissance du diable. But there is nobody, mais il y a personne, in his right senses, dans son bon sens, that say I want to be controlled by the devil, qui veut dire que non, moi je veux être contrôlé par le diable. Everybody, mais tout le monde, want to be controlled by God, voudrait être contrôlé par Dieu. So if everybody is controlled by God, alors si tout le monde est contrôlé par Dieu, we should have the same results. Alors nous devrions avoir le même résultat. So if we're having different results, alors si nous avons des résultats différents, it's because they are being controlled by different powers. Ça veut dire que nous sommes contrôlés par deux puissances, les puissances différentes. So tonight, ainsi ce soir, we want to talk about this subject. Alors en parlant de ce sujet, at the end of the service, à la fin de la réunion, you'll be able to
tell for yourself. Alors vous serez à mesure de dire par vous. Which power is controlling you? Quelle est la puissance qui vous conduit, qui vous dirige? Brother Bram told us. Yeah. Madame nous dit ceci. He said. Il dit. He said that you know that somebody is influencing you. Il dit, vous savez, il y a quelqu'un qui vous influence. You are being influenced by someone. Vous êtes influencé par quelqu'un. He said your life. Il dit, votre vie. Is a written epistle est une épître that should be read of all men. Qui devrait être lu de tout le monde. He explained to us et il nous explique that in the day we find ourselves, et dans ces jours dans lesquels nous sommes, when people do not like to go to church anymore, alors que les gens ne veulent plus aller à l'église, people want nothing to do with Christianity, et les gens ne veulent plus rien avoir avec when you say you are a Christian, et quand vous dites que vous êtes chrétien, people fold their hands, alors les gens croisent les bras. To watch the life you live. Il commence à observer la vie que vous menez. He said your life. Alors il dit que becomes a Bible. Devient une Bible. The people don't want to read the Bible anymore. Les gens ne veulent plus lire la Bible. But they want to read your life. Mais ils veulent lire votre vie. He said if your life is not according to your testimony. Il dit alors si votre vie ne concorde pas avec votre témoignage. He said you are a stumbling block on somebody's way. Sur le chemin de quelqu'un. Is it because somebody is watching you? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. So the parents here. Ainsi les parents ici. Your children are watching you. Vos enfants vous observent. And the prophet told us a little story here. Et frère Branham nous raconte une petite histoire ici. Of a young man. D'un jeune homme. That a very good man. C'était un homme bien. That has a family. Qui a une famille. He said he has never drunk. Et il n'avait jamais bu. He has good morals. Et il était un homme de bonne moralité. But one day, mais un jour, during the Christmas period, pendant la période de Noël, you know Christmas and you give gifts. Et vous savez pendant cette période on se distribue. So he went. Alors il est parti to the neighbor's house. Et chez le voisin. To give gifts. Pour donner des cadeaux. And every house he gets to. Et dans chaque maison où il allait, they say, oh, just take a little break, a little drink. On lui dit, oh, prends un petit peu, juste un petit verre. He will go here. Il va ici. Take a little drink. Il va un petit verre. He will go there. Il va là-bas. Take a little drink. Un petit verre. He will go there. Et là-bas. Take a little drink. Un petit verre. And at the end of the day. Et à la fin de la journée. He was drunk. Il était ivre. So while he was going home, alors pendant qu'il rentrait à la maison, remember he's under the influence of something. Alors, à ce moment-là, il était sous l'influence de quelque chose. He could not walk straight. Alors il ne pouvait plus marcher droitement. He was being influenced by liquor. Il a été influencé par le liquor. Et il s'est rendu compte qu'il était en train de tituber. And while he was doing that, going home, et pendant qu'il titubait, he noticed someone behind him. Il a remarqué que quelqu'un derrière was walking like that too. Marchait aussi en titubant. So he stopped. Alors il s'est arrêté. And he looked behind. Et il a regardé derrière. It was his own son. C'était son propre fils. So he stopped and waited for the son to get up to him. Et il s'est arrêté jusqu'à ce que l'enfant atteigne là où il était. He said, son. Et il pose la question. Why are you walking like that? Mais pourquoi tu marches en titubant? The son said, Dad. Le fiston dit, papa. I'm trying to walk in your steps. Je suis en train de marcher sur tes pas. My. But the man taught us. Alors, comment nous dit? His child was watching him. Il dit, son enfant était en train de l'observer. He said, what an influence. Il dit, what an influence. Il dit, quelle influence. And that's what we want to do as Christians. Et c'est ça que nous voulons faire comme chrétiens. We want to walk like Christians. Nous voulons marcher we comme des chrétiens. We want to live like Christians. Et nous voulons vivre comme des we chrétiens. We want to talk like Christians. Et nous voulons parler comme des chrétiens. We want to act like Christians. Et nous voulons agir comme des chrétiens. Brothers and sisters. Frères et sœurs. We are not from this world. Nous n'appartenons pas à ce monde. We are not Americans. Nous ne sommes pas des Américains. We are not British. Nous ne sommes pas des Britanniques. They are not Africans. Nous ne sommes pas non plus des Africains. We are Christians. Nous sommes des chrétiens. Amen. God has placed us here. Dieu nous a placés ici. On the surface of the earth. Et ici sur la terre. To be an example of Christ. Afin d'être des modèles de Christ. Brother Bram told us. Et Abraham nous a dit. That God is never left without a witness. Que Dieu n'est jamais resté sans témoin. Every time God has a witness. Chaque fois Dieu a toujours un témoin. At your job. À votre travail. God has placed you there. Dieu vous y a placé. Not just to make money. Simplement pas pour faire. But to be a witness for him. Il vous a placé là pour. In your school.
et à l'école. God has placed you there. Dieu vous a placé là-bas. To be a witness for him. D'être un témoin pour lui. May God help us. Que Dieu nous aide. That we never bring reproach to that name. Afin de ne pas amener l'opprobre sur son nom. Now to the scripture that we read. Maintenant par rapport à l'écriture. Where Abraham told us. Abraham nous dit. Of this story. À propos de cette histoire. Of King Uzziah. Du roi Ozias. And prophet Isaiah. Et du prophète Isaïe. I want us to follow very closely. I won't take much of the question. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. La montre là est désolée. Mais je ne veux pas vous prendre trop de temps. J'aimerais avoir une horloge ici. I don't pray to the midnight. Pour que je ne sois pas prêché jusqu'à la nuit. Now, the prophet told us that. Alors, le prophète nous a dit. There was a king. Il y avait un roi called Isaiah. Appelé Ozias. There was a prophet. Et il y avait un prophète. The king called Uzziah. Le roi était appelé Ozias. There was a prophet. Il y avait un prophète called Isaiah. Appelé Isaïe. Now, King Uzziah. Le roi Ozias. Became king. Est devenu roi. At the age of 16. À 16 ans. His father Amaziah died. Son père Amaziah était décédé. And by the law, his son was over. Le fils devait succéder au so père. So when he became king, he was 16 years old. Lorsqu'il devint roi, il n'avait que 16 ans. To my young brothers et à mes jeunes frères and my young sisters, et à mes jeunes sœurs, please follow me carefully here. Suivez-moi très attentivement ici. Uzziah the king, le roi Ozias. Came from a godly home. Est venu d'une famille chrétienne. Just like you came from a godly home. Comme vous êtes né dans une famille chrétienne. Uzziah the king. Alors le roi Ozias knew how important it was. Savait combien c'était important. To obey God. D'obéir à Dieu. He knew how important it was to pray. Il savait que c'était important de prier. And when he became king, et lorsqu'il devint roi, he knew nothing else. Il ne savait rien d'autre. But to be obedient to the word of God. D'être obéissant à la parole de Dieu. And because of that obedience, et à cause de cette obéissance, his kingdom was blessed. Son royaume fut béni. Brother Abraham told us. Abraham nous dit. His kingdom was next to that of Solomon. Et le royaume de Ozias était presque était un peu presque semblable à celui de Salomon. Solomon had the best kingdom in Israel. Parce que Salomon avait le meilleur royaume. Uzziah, his kingdom was next to that of Solomon. Son royaume venait un peu comme en deuxième position après celui de Salomon. Pourquoi? Because he obeyed God. Parce qu'il obéissait. Why? Because he learned on how to be obedient to the word of God. Parce qu'il a appris à être obéissant par rapport à la parole. When Uzziah became king, alors quand Ozias devint roi, there was another young prophet. Il y avait un autre jeune prophète. By the name of Isaiah. Du nom d'Isaïe. Isaiah watched the way God blessed Uzziah. Et Isaïe observait la manière dont Dieu a béni Ozias. Isaiah could see God prospering the kingdom of Uzziah. Et Isaïe pouvait voir comment Ozias ou Dieu faisait prospérer le royaume de Dieu. Uzziah was a big time influence to Isaiah. Alors Ozias produisait une grande influence sur Esaïe. Brother Abraham told us. Alors, Abraham nous dit. He said that the nations of the earth. Il dit que les nations de la terre. They respected Uzziah. Ces nations de la terre, ils les comptaient sur Esaïe. They did not go to war with Uzziah. Et ils n'allaient pas à la guerre contre Ozias. He said it's not because they were afraid of his military. Il dit ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de son armée. But they were afraid of the God that Uzziah had. Mais ils avaient peur du Dieu de Ozias. Let me say this evening. Laissez-moi vous dire ceci ce soir. Anytime you take a stand for God, chaque fois que vous prenez position pour Dieu, God is obligated to always stand for you. Dieu est toujours obligé de prendre position pour vous aussi. No matter what little it may be, peu importe combien cela peut être petit, if you decide to stand for God, si vous prenez la décision de vous tenir, God will stand for you. Lui aussi prendra position pour vous. You watch the three Hebrew
children. Observez les trois enfants hébreux. Why they were in Babylon? Alors qu'ils étaient à Babylon. They have been taught. Ils ont été never to bow to any other image. Et on leur a enseigné de ne jamais se plier devant n'importe quelle idole. And there came a law. Et une loi a été publiée. That when they hear the bells ringing, selon lesquelles quand ils entendront les trompettes sonner, they should bow to a graven image. Ils doivent se plier devant une image. And these three evil children. Et ces trois enfants hébreux. They remember the teachings of Jehovah. Ils se sont souvenus des enseignements de Jéhovah. And they made up their mind. Et ils se sont décidés that they were not going to bow. Qu'ils ne vont pas se plier. The king said, "If you do not bow." Alors le roi dit, si vous ne vous pliez there pas. There is a fiery furnace. Il y a une fournaise ardente. It will be heated several times hotter than before. Et ça sera chauffé sept fois plus qu'avant. You know it's easy. Vous savez que c'est facile. When you don't know what you're going to face. C'est facile lorsque vous ne savez pas à quoi vous serez confronté. But they saw the fiery furnace was there. Mais lorsque la fournaise ardente était là. But they were convinced in their hearts. Mais alors qu'ils étaient convaincus. That we will never break God's word. Qu'ils n'allaient pas briser la parole de that Dieu. That is the position that me and you ought to come to. Voilà la position que moi et toi nous sommes censés avoir. In this world that we find ourselves. Dans le monde dans lequel nous sommes. In this sin caused world. Et dans cette there's so many distractions. Alors qu'il y a tellement de distractions. God needs men. Dieu a besoin de God needs women. Dieu a besoin de that will decide in their hearts. Ils prendront la décision and they stand for him. Et prendront la position regardless. Et peu importe ce qu'il y a. And while they made this decision. Et quand ils ont fait cette, ils ont pris cette décision. And they were going to put them in fire. Et qu'on devait les mettre dans le feu. There was a conference that was going on in heaven. En ce moment-là, une conférence avait lieu aussi. Whenever you stand for God. Chaque fois que vous prenez la position. He will always stand for you. Lui, il a toujours position pour vous. But Abraham explained what happened in heaven to us. Abraham expliquait ce qui s'est passé au ciel. It's like angel wormwood. Il dit il y avait un ange appelé l'absinthe. So that is the angel in charge of water. C'était l'ange qui s'occupait des eaux. He said in chapter 1, il dit l'ange absinthe. He went to Jehovah. Il est allé vers Jéhovah. He said, don't you see what's going on in Babylon? Il dit Jéhovah, tu ne vois pas ce qui se passe à Babylone? He said, those are your children. Il dit ce sont tes enfants. They are about to put them in fire. Et on est prêt à les mettre au feu. He said, just give me the go ahead. Il dit donne-moi seulement la permission d'aller. Let me go. Laissez-moi aller. He began to read his achievement to God. Et lui, il a commencé à rappeler à Dieu les choses. You remember the time of Noah. Il dit, rappelle-toi le temps de Noé. You know what I did with water. Vous savez ce que j'ai fait avec l'eau. To just give me the go ahead. Donne-moi seulement la permission. I will wipe Babylon off the map. Je vais seulement disparaître Babylon de la carte. What Abraham said. On a dit. God looked at angel wormwood. Dieu regarda l'absence. He said, I know you can do it. Il dit, je sais que tu peux le faire. He said, but these are my children. Mais ça, ce sont mes enfants. When it comes to my children. Quand il s'agit de mes enfants. I don't send angels. Je ne vois pas. I go myself. Hallelujah. You see how important you are in the hands of God? Vous voyez combien nous sommes importants dans les mains de Dieu. In Jamaica, turn around. Vous savez, l'ange Michael est venu. Who the sword? Et il a sorti le feu. God, just let me go. Il dit, Seigneur, laisse-moi seul. I will deliver them. Je vais les délivrer. He said, no, sir. Il dit, pas question. I'm going myself. Je vais moi. But you know one thing about God? Et vous savez qu'est-ce qui se passe avec Dieu? He doesn't come late. Dieu ne vient jamais à l'état. He comes at the right time. Dieu arrive au temps. The right time is not your time. Le temps réel, c'est pas votre temps. We are mortals. Nous sommes des mortels. We don't know what the right time is. Nous ne savons pas quel est le temps. He alone knows the right time. Dieu seul connaît le vrai moment. Why Shadrach? Alors que Shadrach, Meshach and Abednego, Meshach et Abednego was going through all this. Et aller à travers ces épreuves. Jehovah God was watching. Jehovah Dieu observait. But Abraham said, Shadrach. Abraham dit à Shadrach. Probably encourage Meshach. Peut-être il est tenté d'encourager Meshach. Brother, you pray through. Est-ce que tu as prié? Yes, I'm ready. Oui, je suis prêt. They had their hands tied. Et ils avaient their legs tied. To be thrown in the fiery furnace. Afin d'être jeté dans la fournaise. At the right time. Au moment précis. The prophet said. Le prophète dit. Jehovah stood up. Jehovah s'éleva. Beat the east wind.
Il prit le vent de l'est. Pick the west wind. Et il prit le vent de l'ouest. And he roared in there. Et il se fit transporter. While they were being thrown in the fire. Alors juste quand le sacrifice. He was right there with them. Dieu était là. You think there is a fire that will burn our God? Parce que qui a un feu qui peut. You think there is sickness that will burn our God? Parce que qui a une maladie qui peut. You think there is any trouble that our God cannot handle? Il y a un problème que Dieu ne peut pas traiter. The prophet said. Le prophète dit. Not even an hair. Il dit il n'y a même pas. Un cheveu. Of their head was burnt. De leur tête ne fut brûlé. But it rose. Et was burnt. Les liens ont été brûlés. Yeah. Les cheveux. Was not burnt. Ne fut pas brûlé. These are examples of men that stood for God. Voilà des exemples de gens qui se sont qui ont pris la position pour Dieu. So you find King Uzziah. Alors vous remarquez que Ozias. With the right kind of arm training. Et avec une bonne, un bon entraînement qu'il a eu à la maison. The Bible told us from the scripture we read. Dans l'écriture que nous avons la Bible dit. Verse 26. Au verset 26. As long as he sought the Lord. Aussi longtemps qu'il cherchait Dieu. God made him prosper. Dieu l'a rendu prospère. As long as he sought the Lord. Aussi longtemps qu'il cherchait God Dieu. God made him prosper. Dieu l'a rendu prospère. As long as you begin to do the things God wants you to do. Aussi longtemps que vous commencez à faire les choses que Dieu God is obligated to make you prosper. Dieu sera obligé de vous rendre prospère. Amen. Amen. Watch, George. Observez, please. King Uzziah. Le roi Uzias. Got to a time. Est arrivé à un point. He sat back. Où il s'est tenu là. And he saw himself. Et il s'est regardé lui-même. He saw his kingdom. Il a observé, regardé son royaume. He saw the way he has prospered. Il a vu comment il a prospéré. He saw that the people of the world were at peace with him. Il a vu que tous les gens du monde avaient un bon rapport. He saw that the nations were not going to war with him because the fear is God. Les royaumes ne pouvaient pas combattre contre lui parce qu'ils avaient son Dieu. His kingdom was well blessed. Il a vu que son royaume était béni. It was next to that of Solomon. Et que c'était presque ça venait deuxième. He was a good man. Il était un homme bon. Then something happened. Alors quelque chose est arrivé. Pride came in. L'orgueil est monté en lui. Pride came in. L'orgueil est monté en lui. Pride is not an attribute of Christ. L'orgueil n'est pas un attribut de Christ. If you are a Christian, si vous êtes un chrétien, pride cannot be in you. L'orgueil n'est pas censé être en toi. If you are a child of God, si vous êtes un fils de Dieu, pride cannot live in your heart. L'orgueil ne peut pas vivre dans ton cœur. Because pride is attributed to the devil. Parce que l'orgueil c'est pour le diable. Uzziah became filled with pride. Alors il est devenu plein d'orgueil. I have achieved this. Devenu enflé d'orgueil. Moi, je connais this. Je sais, je connais ceci. As many of us might want to do today. Aussi longtemps que je peux, tout ce que je peux faire aujourd'hui. I know the message. Moi, je connais le message. I know the quotes. Je connais les citations. I know what I'm doing. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Uzziah has gone to that level. Ozias a atteint ce niveau-là. And he decided to go into the temple. Et il a décidé d'entrer dans le temple. To offer incense in the temple. Pour aller offrir de l'encens dans le temple. Remember, he's a king. Rappelez-vous, il était roi. And the word of God clearly clears it. Et la parole de Dieu avait clairement dit that is the priest that does that in the temple. Ça, c'est le travail des prêtres, des sacrificateurs dans le temple. My young brothers, mes jeunes frères, my young sisters, et mes jeunes sœurs, no matter how smart you think you are, peu importe combien vous pouvez penser que vous êtes intelligent, no matter how knowledgeable you think you are, et peu importe combien plein de connaissances vous pouvez penser, you can never outsmart God. Vous ne serez jamais plus intelligent que Dieu. Amen. Let me give you an example. Let me give you an example. If we go out, si nous sortons, to buy a book, et nous allons acheter un livre, yes, and you read that book, yes, et que vous lisez le livre, the book, vous lisez ce livre, as a writer, le livre a un auteur, the writer put in that book all that he knows to be the best at that time. L'auteur a mis dans le livre tout ce qu'il connaît être bien pour ce temps-là. If there's another 5 years, après 5 ans,
the writer is going to gain more knowledge. L'auteur va avoir encore plus de connaissances. So we have to improve on that book. Et lui, il doit mettre à jour son livre. That's why you find in books, you find first edition. C'est pourquoi vous voyez les livres où il y a les premières éditions. Second edition. Deuxième édition. Third edition. Troisième édition. Because the writer is improving in knowledge. Parce que l'auteur est en train de grandir en connaissance. That is man. Ça c'est l'homme. But watch this Bible. Mais observez cette Bible. It has no first edition. La Bible n'a pas de première édition. Amen. Second edition. It's the one edition it is. La Bible n'a qu'une seule édition. Amen. You know why? Vous savez pourquoi? Because the writer. Parce que l'auteur. Does not gain knowledge. Lui, il n'augmente pas les connaissances. The writer is a fountain of all knowledge. L'auteur, lui, il est la source de toute la connaissance. What he has put down in the beginning. Ce qu'il a mis là-bas au commencement. Is still effective today. Cela a de l'effet jusqu'aujourd'hui. Step forward. Laissez-moi faire un pas. Look at the message that Abraham preached. Observez le message que Frère Abraham a prêché. In the 40s. Dans les années 40. In the 50s. Dans les années 50. In the 60s. Dans les années 60. You read that message today. Vous lisez le même message aujourd'hui. It's applicable today. On peut encore les appliquer aujourd'hui. You know why? Vous savez pourquoi? They are not the words of Brother Brennan. Parce que ce n'est pas les paroles. They are the words of God for us in this day. C'est les paroles de Dieu pour nous en ce jour. Brothers and sisters. Frères et sœurs. All that we have need of. Tout ce dont nous avons besoin. To go into the rapture. Pour être enlevé. Has been given to us. On nous a été donné. In the message of the Prophet. Dans le message de l'heure. Amen. There is no new knowledge coming. Il n'y a pas une nouvelle connaissance qui vient. Man, the prophet told us. Le prophète nous a dit. That this message is. Que ce message. In the late rapturing faith. Dans le message, il y a la foi de l'avènement. The faith that we have need of. La foi dont nous avons besoin. To go in the rapture. Pour être enlevé. Is right here. Se trouve ici. In the message. Dans le message. That is why. C'est pourquoi. I am not ashamed. Moi. I'm not ashamed. Let me go that back a little bit. When you write, when you are writing a paper, quand tu écris lettre, and you go to a book and you get information from the book. Et quand vous lisez, vous écrivez soit un journal, and vous allez prendre des informations dans un livre. And you take that information in your paper. Yes. Et vous reportez ces informations dans votre journal. You have to write where you get it from. Yes, écrire la référence. That this is from this book, written by this person. Ici, j'ai tiré ça de tel auteur qui a écrit tel livre. If you don't do that, yes, si vous ne faites pas, you will be charged with lawsuit. Yes. On va vous appeler que vous avez plagié. Yes. Yes. That is why I am not ashamed. C'est pourquoi moi je n'ai pas honte. To say what I have said. Yes. Hallelujah. Amen. 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 That's true. Thank you. God bless you, church. Amen. Because many people, parce que beaucoup de gens, they try to crucify us. Ils essaient de crucifier. When we say what I have said. Quand nous disons ce que dit. I am not ashamed. Moi je n'ai pas honte. Because what I have said. Parce que Frère Branham dit. Amen. He has been vindicated in our day. Il a été confirmé dans notre jour. Oh, hallelujah. My God used the vessel of Brother Branham. Frère Branham a utilisé le manteau de Frère Branham. And he has told us. Dieu a utilisé le manteau qui est Frère Branham. He has told us. Et il nous a dit. Say what I say. Yes, sir. Yes, sir. On a dit au judgment. That is a man that knows what he's talking about. Yes, voilà l'homme qui connaît de quoi il parle. And I'm here standing as an example to you tonight. Mais moi je me tiens ici comme un exemple pour vous. Say if you follow what he says, en vous disant que si vous suivez ce qu'il dit, you are bound to make it. Yes, sir. Obligé to our young brothers. Et à mes frères, to our young sisters. Et aux jeunes sœurs. There is nothing the world has got to offer. Il n'y a rien dans le monde que Dieu peut offrir. The world has nothing to offer. Le monde n'a rien à vous offrir. But in this message, mais dans ce message, there is life. Il y a la vie. In this message, dans
dans le message. There is peace. Il y a la paix. In this message. Dans le message. There is prosperity. Il y a la prospérité. In this message. Et dans le message. Let me say this. Laissez-moi dire ça. When you stand by this message. Si vous prenez la position pour ce message, you become more knowledgeable than your friends. Amen. Vous accumulez plus de connaissances que vos amis. Yes. I'm telling you facts. Là, je vous dis des faits that I know, que je connais. I've seen my friends. J'ai vu mes amis. That we went to school together. Avec qui nous sommes allés à l'école. When they see me today. Quand ils me voient aujourd'hui. Ils me disent, pasteur, si vous pouvez prier pour nous. In school, we're mates. À l'école, nous étions des collègues. But now he's praying for us. Maintenant, c'est prier pour nous. Because this is life to us, church. Ça, c'est la vie pour nous. If you know you want to prosper in life, et si vous voulez prospérer dans la vie, stay with this message. Restez avec ce message. What the Bible says, as long as he sought the Lord, aussi longtemps qu'il chercha le Seigneur, the Lord made him prosper. Le Seigneur l'a rendu but prospère. There came a time, mais un temps est arrivé, the bride came in, où l'orgueil est venu, and he decided to go into the temple, et il s'est décidé d'aller au temple, to go offer incense, et offrir de l'encens, which was not his place, ce qui n'était pas sa place. But God is so mindful. Alors Dieu, lui, il est très très attentif. He will never bring a man to judgment. Il ne peut jamais amener quelqu'un à without first of all warning him. Avant de l'avertir premièrement. So while he picked the incense, alors lorsqu'il a pris l'encens, and was going to the temple, et il voulait aller dans le temple, the priest came after him. Le sacrificateur l'a suivi. Oh king, live forever. Et il dit, oh roi, vie éternelle. You are blessed of the Lord. Tu es béni du Seigneur. For that thing you are about to do, mais ce que tu t'apprêtes de faire, it's not right. Ce n'est pas correct. It's not according to the word c'est of God. Conforme. Hallelujah. A true child of God, vrai fils de Dieu, we always respect and obey one is given to him by God. Va toujours accepter et reconnaître l'avertissement qu'il reçoit. A true minister, un vrai ministre, will not hesitate to tell you nothingness but the truth. Ne va pas hésiter de vous dire rien que la vérité. But there is something about a child that is not a child of God. Mais il y a quelque chose par rapport à un fils qui n'est pas un fils de Dieu. He will get offended at the word of God. Il va être blessé ou être blessé ou être achoppé par la parole de Dieu. A child of God, un enfant de Dieu, even though the word comes in a rebuke, même si la parole vient le réprimander, he will not get offended. Il ne sera pas offensé. He said, "You make his way right." Mais plutôt, you make his way right. Il va essayer de corriger la chose. Uzziah, Ozias, got offended. C'est offensé. Who are you to talk to me? Qui es-tu pour me parler? Don't you know who I am? Sais-tu parce que je suis? I am the king. Moi, je suis le roi. That God has blessed. Que Dieu a béni. And here you are talking to me. Et ici tu me parles. And he refused. Et il a refusé. To yield to one. De se soumettre à la un avertissement. Church, église. There is something that the word of God does. Il y a quelque chose que la parole de Dieu fait. Is it that it saves you from destruction? Il vous a sauvé de la destruction. Or it lands you in destruction. Ou bien, soit la parole elle vous sauve de la destruction, soit elle vous amène dans la destruction. This message, le message ici, is given to us for our protection. Nous a été donné pour notre protection. When you leave the message, quand vous quittez le message, you are on your own. Sans amen. Vous êtes sans protection. When you are behind that message, étant derrière le message, you are protected. Vous êtes protégé. You are kept from all fears of the enemy. Vous êtes protégé de toutes les attaques de l'ennemi. But Uzziah, mais Ozias, refused to pay attention to one. Lui, il a refusé d'écouter l'avertissement. Remember, I told you when I started. Rappelez-vous, je vous ai dit quand j'ai commencé. That there was also a young prophet called Isaiah. Qu'il y avait aussi un jeune prophète appelé Ozias. Uzziah.
Lui, il observait Ozias. The way God blessed Ozias. Il a vu la façon dont Dieu a béni Ozias. This same prophet. Le même prophète. So when Uzziah went into the temple. Il a aussi vu lorsque Ozias est allé dans le temple. Against God's word. Contrairement à la parole de Dieu. The word of God has no respect for persons. Il n'y a pas, la parole de Dieu ne fait exception de personnes, il n'y a pas de personnes privilégiées. The word of God only respect those that obey his word. Respecte seulement ceux qui ne considèrent que ceux qui respectent la parole de Dieu. When Uzziah got in the temple, quand Uzziah s'est entré dans le temple, God smote him, Dieu l'a frappé et l'a lèpre. You know what leprosy is? Vous savez la lèpre c'est quoi? If you have leprosy, si vous avez la lèpre, you cannot live among the people. Vous ne pouvez plus vivre avec les gens. You have to be taken out. Avant vous éloigner. Away from the camp. En dehors du camp. Now from being a king, étant un roi, a blessed king, un roi béni. Now he is now outside the camp. Maintenant il se retrouve en dehors du camp. Because of disobedience. À cause de la désobéissance. Because of disobedience. À cause de la désobéissance. And there was young prophet Isaiah. Et là, il y avait le jeune prophète Isaïe. He saw the way God blessed Uzziah when he was good. Il a vu de la manière dont Dieu a béni Ozias quand il était bon. He saw the way that God dealt with him when he disbelieved. Il a aussi vu comment Dieu a traité avec lui lorsqu'il a laissé la parole. Now Isaiah. Maintenant Isaïe is confused. Était troublé. From being blessed of God, depuis étant béni de Dieu, to being punished by God, jusqu'à être puni par Dieu. Isaiah needed an answer. Et Isaïe avait besoin d'une réponse. Isaiah needed someone to tell him what was going on. Isaïe avait besoin de quelqu'un pour que quelqu'un lui dise qu'est-ce qui se passe. Isaiah went straight to the temple. Alors il est allé dans le temple. There is no better place than to be in his presence. Que d'être dans sa présence. And Isaiah cried unto the Lord. Et Isaïe a commencé à pleurer, crier au Seigneur. And God showed him a vision. Et le Seigneur lui a montré la vision. And he saw the king. Et il a vu le roi. That we all need to look after. Et il a vu le roi dont nous tous nous avons besoin de regarder. Let me say this, brother. Nous tous regarder. Laissez-moi dire ceci, frère. Enemy has a lot that is putting across. L'ennemi a beaucoup de choses qu'il a mis tout au travers. There are many influences going on in the world today. Il y a tellement d'influences qui vont dans le monde aujourd'hui. One of the greatest influences that we have in the world today. L'une des grandes influences que nous avons dans le monde aujourd'hui. Is this thing in my hands? C'est cette chose entre mes mains. This thing in my hands has brought the world close to us. La chose ici a rapproché le monde, nous a rapproché le monde à nous. This thing in my hands has brought Hollywood closer to us. Cette chose entre mes mains a amené Hollywood près de nous. But let me tell you something. The right kind of influence. La meilleure, le meilleur genre d'influence. Is the influence from the word of God. C'est l'influence produite par la parole. Anything outside the word of God. Toute chose en dehors de la parole. Is death. C'est la mort. Yes. Don't look up to any man. Ne regardez pas à quelqu'un. Don't look up to any Hollywood star. Ne regardez pas à ces stars de Hollywood. Don't look up to any footballer. Ne regardez pas à ces footballeurs. Our influence should be Christ and Christ alone. Christ et seul Christ. If you want to prosper in life, si vous voulez prospérer dans la vie, look up to Christ. Regardez à Christ. If you want to be someone that is recognizable in life, si vous voulez être quelqu'un qui doit être reconnu, look up to Christ. Regardez à Christ. And the prophet told us, le prophète nous a dit, this message, ce message, is Christ. C'est Christ. Now let me say this before we close. Avant de terminer, laissez-moi dire ceci. That there is no grandchildren in the kingdom of God. Voilà, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits-fils. Like what Eric was saying. Comme Frère Eric disait. God doesn't have grandchildren. Dieu n'a pas de petits-enfants. He doesn't have great grandchildren. Il n'a pas de arrière-petits-enfants. God has sons and daughters of God. Il a des fils et des filles de Dieu. Now, maintenant, the way we all came to life, la manière dont nous tous nous sommes nés, gave us a fallen nature. Cela nous a donné une nature déchue. There is none of us present in this room tonight. Il n'y a aucun de nous dans cette salle ce soir. That was born a Christian. Qui est né chrétien. Non. The way we came. Notre manière de naître. Gave us a fallen nature. Nous a donné une nature déchue. You can tell from your children. Et vous pouvez
dire le dire de vos enfants. When you gave birth to them, lorsque vous les mettez au monde, we dedicated them. Nous venons, nous les consacrons. We keep them in church. Nous les gardons à l'église. They don't know nothing of the world. Ils ne connaissent pas les choses du monde. As they grow, aussi longtemps qu'ils sont de l'église, one day, un jour, they will lie to you. Ils vous mentiront. As to begin to wonder. Et vous allez commencer à poser la question. Where did he learn this from? Où est-ce qu'il a appris à mentir? In the nature. C'est la nature. We all have that nature. Nous tous, nous avons cette nature. And in that nature, et dans cette nature, we can never meet Christ. On ne peut jamais rencontrer Christ. In that Adamic nature, avec cette nature, we can never meet Christ. On ne peut pas rencontrer Christ. That was why Christ came. C'est lorsque quand Christ est venu, and Christ gave us a way to come back to him. Alors il y avait un moyen, il nous a donné un moyen pour revenir à lui. And that way, c'est for us to realize that we are sinners. Et ce moyen, c'était premièrement de nous rendre compte. Let me say this as we go on. Et alors, laissez-moi dire ceci avant de commencer. It's not your fault that you are a sinner. Amen. Être pécheur, ce n'est pas de votre faute. It's not your fault that you are a sinner. Ce n'est pas de votre faute d'être pécheur. But it becomes your fault. Mais ça devient votre faute. After you know the way out, après que vous connaissez la manière de pécheur et que vous refusez cela. We all, nous tous, at some point in our life, we're sinners. À un certain point de notre vie, nous étions des pécheurs. But God came and gave us a way back. Mais ensuite, Dieu est venu et nous a montré le chemin. What is that way? Et quel est ce chemin? It's for you to realize I'm a sinner. Le chemin, c'est que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes pécheur. Et que vous allez vers Dieu. And confess your sins. Et que vous confessez vos péchés. Some people want us to understand. Certaines personnes veulent que nous puissions comprendre. That you have to confess to a reverend father. Que vous devez confesser chez le reverend père. The reverend father is a sinner also. Et le reverend père aussi c'est un pécheur. How can a sinner confess to a sinner? Comment est-ce qu'un pécheur peut aller confesser chez un pécheur? When the blind leaves the blind. Alors que l'un aveugle conduit le père. So the Reverend Father also needs to confess his sins to God. Lui aussi doit confesser ses péchés à Dieu. Yes, sir. So when you come, you confess your sins to God. Alors quand vous confessez vos péchés à Dieu. In repentance. Dans la repentance. Suivez-moi, je vais prendre le nom, je vais. What is repentance? C'est quoi la repentance? Repentance, la repentance is I'm going this way. Yes. Je dis, je suis en train d'aller comme ça. I now realize. Et maintenant, je me rends compte. This way I'm going. Que ce chemin que je pris is wrong. C'est un mauvais chemin. The first thing you do. La première chose à faire. You stop. C'est de s'arrêter. Are you getting it? Est-ce que vous me suivez? When you stop. Lorsque vous vous arrêtez. You turn around. Vous faites un demi-tour. Are you following what I'm saying? So when you repent of your sins, lorsque vous vous repentez de vos péchés, then you can now go for water baptism. Alors vous pouvez aller maintenant dans l'eau de baptême. I'm giving you the way by which you have to do it. Moi, je vous donne le chemin to come back to God. Vous devez retourner à Dieu. Water baptism by immersion. L'eau de baptême de par immersion. In the name of our Lord Jesus Christ. Many people say, beaucoup de gens disent, it's Father, Son, Holy Ghost. C'est Père, Fils, Saint-Esprit. Let me explain to you. Laissez-moi vous dire ceci. They are right. Ils ont raison. But Father is not a name. Mais le Père n'est pas un nom. Son is not a name. Le Fils n'est pas un nom. Holy Ghost is not a name. Le Saint-Esprit non plus. It's just like me. C'est comme moi. I am a father. Je suis un père. I am a husband. Je suis un mari. I am a son. Et je suis un fils. By the time the service comes to an end. Mais jusqu'à la fin de la réunion. And we are outside. Et que nous sortons. And you come and to say, Father. Et que vous venez m'appeler père. I won't answer you. Je ne peux pas répondre. Because he's a father. Parce qu'il est père. He's a father. Lui aussi est père. The other fathers et les autres pères qui sont ici. Or you say, husband. Et vous dites mari. He is one. Et lui aussi he is one. Il y en a un autre ici. But trust me. Mais faites-moi confiance. When you say Marion, quand vous dites Marion, I will look back. Moi je vais regarder. Because that attached to me. Parce que cela est relié à moi. The name of the Father. Le nom du Père. And of the Son. Et du Fils. And of the Holy Ghost. Et du Saint-Esprit. Is the Lord Jesus Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. That is the only baptism where your sins can be remitted.
baptême dont vous devez être baptisé. Now, when you are baptized, et quand vous êtes baptisé, and your sins are remitted, et que vos péchés sont pardonnés, you are now a candidate. Maintenant, vous êtes un candidat. I have found among many believers that that is where they stop. Je me suis rendu compte que beaucoup de croyants se sont arrêtés là. That is not the end of the journey. Mais ce n'est pas la fin du voyage. God bless you, but that is the beginning. Que Dieu bénisse, mais ce n'est que le début. Because after that, après cela, the Holy Ghost has got to come in. Le Saint-Esprit doit venir. What is the Holy Ghost? C'est quoi le Saint-Esprit? The Holy Ghost is the Spirit of Christ coming to indwell in you. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ qui doit maintenant venir habiter en toi. When the Holy Ghost comes in, quand le Saint-Esprit vient, you become a candidate forever. Vous devenez un candidat pour toujours. It's no more you. Ce n'est plus vous that is trying qui se bat pour to live a Christian life. Et vivre une vie chrétienne. It is God. C'est Dieu living that life through you. Vivant cette vie par à travers vous. It shows in your actions. Et il le montre par it shows actions. In the way you talk. Par la façon it shows parlez. In the way you dress. Par la façon it shows parlez. In the way you do things. Par la façon vous faites des choses. You want me to go ahead? Vous voulez que je continue? It shows in the way you handle the word. Et il vous montre la façon dont vous devez traiter la parole. Because the prophet taught us that the Holy Ghost, le Saint-Esprit, will keep you vous gardera in the word dans la parole all the way. Pendant tout le temps, il vous gardera dans la parole. My man. When you find people quand vous découvrez qu'il y a des gens that cannot stay with the word, qui ne demeure pas avec la parole, may God help you. Que Dieu vous aide. Because when you have the Holy Ghost, parce que quand vous avez le Saint-Esprit, the Holy Ghost will keep you in the word. Le Saint-Esprit va vous garder dans la parole. The Holy Ghost will not doubt the word. Le Saint-Esprit ne doutera pas. The Holy Ghost will not question the word. Le Saint-Esprit ne va pas se poser des questions. The Holy Ghost will say amen to the word. Le Saint-Esprit dira amen à la parole. Because this word is our absolute. Parce que la parole ici c'est our amen. C'est notre amen. It's our all in all. C'est tout en tout. Amen. 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 So my young brothers and sisters, et si mes jeunes frères et sœurs, the only time where you can make it in life, la seule chose que vous pouvez, is le seul moment que vous pouvez vous en sortir, is when you are filled with the Holy Ghost. C'est lorsque vous êtes rempli. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, the Holy Ghost of Dad, le Saint-Esprit de Papa, is not enough for you. Ce n'est pas suffisant pour vous. The Holy Ghost of Mom, le Saint-Esprit de Maman, is not enough for you. Ça ne suffit pas pour vous. You need your own experience. Vous avez besoin de votre propre expérience. You think if Moses, vous pensez si Moïse, let us talk about Moses for a few minutes. Pardon, juste quelques minutes de Moïse. When Moses was in Egypt, quand Moïse était en Égypte, when he was being trained by his mother, alors qu'il était entraîné, formé par sa mère, in Pharaoh's palace, dans le palais de Pharaon, the mother told him who he was. Donc sa mère lui a dit qui il était. The mother took him to the window one day. Un jour, la maman l'a amené sur la fenêtre. See those people suffering there. Et lui a montré, tu vois toutes ces gens qui sont là. Those are your people. Ce sont the people that God brought you to deliver. Ce sont les gens par qui Dieu t'a amené pour les délivrer. Moses knew all that here. Moïse connaissait tout ça dans la tête. So one day, mais un jour, he was going down the street. Il se promenait dans la rue. He saw an Egyptian. Il a vu un Égyptien. And an Israelite fighting. Et un Israélite en train de se battre. Because of all that his mother has told him et here. À cause de tout ce que sa mère lui avait dit. God sent me for a deliverer. Oh, Dieu m'a envoyé pour délivrer. I must deliver this people. Je dois délivrer ces gens. He decided to do God a service. Et il essaie de rendre à Dieu un service. Without it being revealed. En dehors de sa volonté. So he killed the Egyptian. Il a tué l'Égyptien. He set the Israelite free. Et il a libéré l'Israélite. He thought that was good. Et il pensait que c'était bon. The next day, le jour suivant, he saw two Israelites fighting. Il voit deux Israélites en train de se battre. He tried to calm them. Et il a essayé de les calmer. You are brothers. Mais vous êtes des frères. Don't fight. Ne vous battez pas. One of them spoke back. L'un d'eux répondit. Qui a établi chef sur nous? Do you want to kill me? Tu veux me tuer? Like you killed Israel today. Quand tu as tué l'Égyptien hier. Then Moses knew. Là Moïse s'est rendu. What he did was not healing. Que ce qu'il a fait n'était pas. So he ran away. Et il a fui. But when he met Jehovah, quand il a rencontré Jehovah,
when he met Jehovah, quand il a rencontré Jéhovah, he was different from what his mother told him. Il est devenu différent de ce que sa mère lui a expliqué. Ça, c'était une expérience. Cette fois-ci, he is going to Egypt. Il allait en Égypte. As a different man. Comme un homme différent. He is going to Egypt. Il allait en Égypte. As a man. Comme un homme. That has met Jehovah. Qui a rencontré Jéhovah. Until you meet Jehovah. Jusqu'à ce que vous l'ayez rencontré. In the Holy Ghost baptism in your soul. Et avec le Saint, le baptême du Saint-Esprit. You might question this message. Vous allez, si vous n'avez you pas might say it's too vous hard. Allez poser des questions sur you might say, well, I can't believe it. Le message est difficile. But when you meet Jehovah, mais quand vous rencontrez Jéhovah, et il fait de vous un homme différent, you can't help it. Vous ne pouvez pas vous épouser. You want to the world. Vous allez être you want to do what God says. Et vous voulez faire ce que la parole you want to live your life for Christ. Vous voulez vivre votre vie pour Christ. Because our success, parce que notre succès, lives in Christ. Se trouve en Christ. Amen. But King Isaiah, mais le roi Ozias, when he saw that vision, quand il a vu la vision, he saw the seraphims up close. Oh, Isaiah, quand il a vu les séraphins, he saw the seraphims. Il a vu les séraphins. With two wings, avec to approach before his throne. Pour avant de s'approcher de son trône, ils doivent se couvrir le visage à cause du respect. And he saw the real king. Il a vu le vrai roi. That they should watch over. Don't the real king to look over. Le roi, le véritable the roi qui devait regarder. Get your influence from. Le véritable roi dont il devait tirer l'influence. And Isaiah began to say, oh, I'm an unclean man. Alors Isaiah commence à dire, je suis un homme de la mort. I'm unclean people. Je vis parmi les gens impurs. Brothers and sisters, nécessaire. Don't ever pick your influence. Ne tirez jamais ton influence. On the things of the world. Des choses du monde. Don't pick your influence. Ne tirez jamais votre influence. On believing friends. Des amis incroyants. Don't pick your influence. Ne prenez jamais votre influence. From magazines that you read. Des magazines, des revues que vous lisez. Don't pick your influence. Ne tirez jamais votre influence. From Facebook. De Facebook. Did I hurt you a little bit? Est-ce que cela vous offense un peu? Pick your influence from Christ. Tirez votre influence de Christ. Our success. Notre succès. Lives in Christ. Se trouve en Christ. Young brothers. Chers frères. Young sisters. Jeunes sœurs. Why don't you check your life by this time? Pourquoi ne devriez-vous pas sonder votre ask vie yourself, en cette heure et vous poser la question? Am I getting my influence? Moi, je tire mon influence d'où? What is influencing me? Qu'est-ce qui m'influence vraiment? Where do I get my inspiration from? D'où est-ce que je tire mon influence? What kind of mon inspiration do you read? Quel genre de livre vous lisez? When you go on the computer, quand vous vous asseyez devant what votre ordinateur, websites, quel site vous visitez? What kind of music do you quelle listen? Musique vous écoutez? What kind of places do you go? Quels endroits vous allez? What kind of friends? Quels amis do you keep? Vous gardez ou avec vous? You know, it's not possible. Vous savez, c'est impossible. For a dog, pour un chien, and a sheep, et une brebis, to be friends. D'être des amis. Their diet is different. Leur appétit ou leur régime est différent. Their interest is different. Leurs intérêts sont différents. Their way of life is different. Leur manière de vivre est différente. A sheep, une brebis, is humble. Est humble. A sheep, une brebis, is gentle. Il est gentil. A sheep, une brebis, can give up his wool. Peut céder, donner sa laine. That's why the child of God is likened to a sheep. C'est pourquoi un fils de Dieu est comparé à une brebis. Who is your influence? Mais c'est quoi? Quelle est votre influence? Isaiah realized. Isaïe s'est rendu compte. He has been watching the wrong king. Qu'il est en train d'observer un mauvais roi. Isaiah realized. Isaïe s'est rendu compte. That he has been getting his influence from the wrong king. Il tirait son influence du mauvais roi. Amen. If you place your influence on a man. Et si vous placez votre influence sur un homme. If that man turns his back. Et si cet homme-là se retourne, se détourne.
Vous, si vous allez vous détourner, if you place an influence on a preacher, si vous placez votre influence dans un prédicateur, et que ce prédicateur se détourne, vous, si vous allez vous détourner, we find preachers that have preached this message for years. Nous avons trouvé des prédicateurs qui ont prêché ce message pendant des années. Et ils se sont retrouvés pour dire que le message n'est pas la vérité. Si c'était votre influence, vous allez aussi vous retrouver. But if your influence was in Christ, mais si votre influence est en Christ, it doesn't matter what people say. Peu importe ce que disent les gens. It doesn't matter what people do. Peu importe ce que les gens font. You are anchored. Vous êtes ancré. When Moses got to Pharaoh, lorsque Moïse est allé chez Pharaon, and he threw his rod down, et il a jeté son verge, et jamais ses jambes sont venus. Ils ont aussi jeté leur verge. L'influence de Moïse était du ciel. He was not looking up to man. Lui ne regardait pas aux hommes. He knew God sent me. Il savait que Dieu m'a envoyé. It becomes God's problem. Il est devenu maintenant un problème de God Dieu. Is obligated. Dieu était obligé to bring his word to pass. De confirmer sa parole, de faire accomplir sa parole. That same God tonight. Et frère, nous servons le même. I give you an assurance. If you take your stand for God, et si vous prenez la position pour Dieu, He has promised you will always stand for Him. Promis qu'il sera toujours à côté. Let me give you this testimony. Laissez-moi vous donner ce témoignage. And then we close. Et nous allons finir. When I had my first child, quand j'ai eu mon premier enfant, a first child, mon premier enfant, my wife was in labor. Et ma femme était en travail, en douleur, pendant 24 heures, elle était en travail, avec douleur. Eventually, et finalement, when the boy came, lorsque la femme est venue, I've never been in a bad place before. Je n'ai jamais été dans un. That was my first time. Ça c'était. Ah pardon, je n'ai jamais été dans une maternité. Ça c'était ma première fois. Mais je me suis rendu compte. I realized that the nurses. Je me suis rendu compte. J'ai remarqué. Pick the baby. J'ai pris la femme. They went to a corner in the room. Et pardon, j'ai remarqué que les. They were trying to block me from seeing what was going on. J'ai remarqué que les infirmiers ont pris l'enfant, ils sont allés avec lui dans un coin là, et ils ne voulaient pas que je voie ce qui se passe. I noticed there was something going on. Je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se passer. I was just watching them. Et moi, je les observais. When they came to the end of their way, et quand ils sont arrivés au bout de leur chemin, they called me. Ils m'ont appelé. They said we are sorry. Ils m'ont dit nous sommes désolé. That the boy is not responding. Que l'enfant ne répond pas, ne réagit pas. I said, what does that mean? J'ai demandé, mais ça veut dire quoi? They said, it's still birth. Il dit que c'était mort-né. George, I never knew when I said it. Et dit, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai dit. I told them, I said, God did not promise me that. Moi, Dieu ne m'a pas promis ça. And as soon as I said that, et aussitôt que je l'ai dit, et l'enfant a commencé. Amen. He's alive today. Et l'enfant est vivant aujourd'hui. Je suis là, putain, c'est un living testimony. Et c'est un témoignage vivant. Our God is real. Our God is real. Et notre Dieu est réel. Young brothers. Mais jeune frère, God, sister, jeune sœur, if you stand for God, si vous prenez la position pour God Dieu, is obligated, Dieu est donc sera obligé stand for you. De se tenir à côté. Don't allow any side distraction. Ne laissez pas n'importe quel genre keep de distraction. Your focus single. Alors, keep your focus single. Gardez votre attention concentrée sur rien d'autre que the word of God. Et sur la parole. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you, Brother Mario. Can you hear me say, Brother Mario? Wonderful sermon for young people. Un message merveilleux pour les jeunes. It's about the influence. À propos de l'influence. And I'm sure that you've been blessed, young people. Et je crois que nous avons été bénis. Because this one is for you. Parce que ça, c'est vraiment pour vous. Amen. Some of you, certains d'entre vous, you are getting ready to get married. Vous vous apprêtez même à vous marier. Some of you, certains d'entre vous, got married already. Vous êtes déjà mariés. But the fighting is on. Mais la bataille continue.
and the answer for all your questions. Et la réponse à toutes vos questions. You found it in the message. Vous la trouvez dans le message. And when you find yourself in trouble. Et quand vous vous retrouvez dans des problèmes. And that day you understand that this message is helpful for you. C'est là où vous allez vous rendre compte que ce message est vraiment important pour vous. This is the time to put your two foot in the message. Ça c'est vraiment le temps où vous devez mettre vos deux pieds dans le message. Get the influence of the message. Et avoir l'influence du message. You know, everyone has got the influence of something. Vous savez, chacun de nous tire une influence de quelque chose. All of us. Tout le monde. You must be like someone. Vous devez souvent être comme quelqu'un. You are not your own model. Vous n'êtes pas le modèle de vous-même. Amen. Amen. So it depends where you get your influence from. Tout dépend de là où vous tirez votre influence. You get it anyhow. Vous l'avez de toutes les façons. If you don't get it from the word, si vous n'avez pas, God, vous ne tirez pas votre influence de Dieu, qui est la parole. You get it from Satan, which is the word, the world. Vous l'aurez de Satan, qui est le monde. I always say this. J'ai l'habitude de dire ceci. If you go to school, si vous allez à l'école, studying a subject, et que vous étudiez une matière, let's say you are studying medicine. Disons que vous étudiez la médecine. Finally, you must become a doctor. Finalement, vous devriez devenir un docteur. That's the main point you're studying. C'est ça l'objectif de vos études. So if you don't become a doctor, si vous ne devenez pas, that's a fail. C'est-à-dire que vous avez échoué. If you are reading message books, si vous lisez les messages, les messages de Frère, what do you expect? Mais vous vous attendez à quoi? You have to become it. Vous devez devenir le message. Amen. Amen. So you can't study, go to school and study. You can't go to school and study and not become what you become what you study. Vous ne pouvez pas aller à l'école étudier et ne pas devenir ce pourquoi vous faites ces études là. It's so simple. C'est si simple. Amen. Not true. If you put food in the fridge, si vous mettez la nourriture dans le réfrigérateur, you don't have to pray. Vous n'avez pas besoin de prier. Just leave it under the influence of the fridge. Mais laissez ça seulement sous l'influence du réfrigérateur. After 50 minutes. Après 50 minutes. Come back. Revenez. You change. La nourriture va changer. It's going to get the atmosphere of the fridge. La nourriture prend l'atmosphère du réfrigérateur. So, it depends who are your friends. Tout dépend de qui sont vos amis. It depends to what you're reading and people. Dépend de ce que vous lisez, jeunes gens. And everything that you are reading, et tout ce que vous lisez, you are getting the influence from there. Vous tirez votre influence de là. That's what I'm talking about. C'est la chose de Frère Branham. Frère Branham said it in the message called Prodigal. Frère Branham dit dans le message prodigue. Protection à notre nom. À la citation, pendant le début. He says, look at this prodigal this afternoon. Regardez à cet enfant prodigue cet après-midi. Where he was, là où il était, worst place for a Hebrew there could be is a pig pen. Le pire endroit qu'un Hébreu peut jamais être, c'est dans une porcherie. So that boy found himself among the pigs. Vous voyez, cet enfant prodigue s'est retrouvé parmi les cochons. Because he got out of the good influence. Parce qu'il a quitté la bonne influence. But Abraham said that he was following friends. Abraham dit qu'il suivait les amis. And he had to go and live among the pigs. Et finalement, il s'est retrouvé parmi les cochons. But Abraham said this. Notice. Remarquez. Look at the job now. Regardez à ce temps maintenant. There's an old-fashioned country called. Il y a une patrie de l'ancien monde. Let's just fix it in our minds for a moment. Fixons cela un peu dans notre pensée, dans notre esprit pour un moment. He says this. I can see living there a lovely old couple work hard all their lives. Je fais voir là-bas un vieux couple vivant là-bas et travaillant durement et toute leur vie et avec leurs deux enfants. Of course, the son always falls heir to the inheritance. Souvent que l'enfant devient toujours héritier Yes. And then this young son. Alors c'est le jeune le fils cadet. Let's say
They went to church every Sunday. Disons que cet enfant, ils allaient à l'église chaque dimanche. And they loved God. Et ils aimaient Dieu. And they served God. Et ils le servaient. With all their heart. De tout leur cœur. But one day, et un jour, this young son let's say would start going out with a group. That, disons que ce jeune enfant a commencé à se promener avec un groupe. A group that he had no business going. Il a commencé à se promener avec des gens avec qui il n'avait rien à voir. So he got himself friends. Oui, il a eu des amis. Which was not believers. Qui n'étaient pas des croyants. And Baba Ram said this. Baba Ram dit. He said, listen, young man. Il dit, écoutez, jeune gens. Here this afternoon, young lady. Ici, écoutez ici cet après-midi, vous jeune dame, vous jeune homme. He says, just as soon as you get out from under Christian influence, aussitôt que vous sortez de l'influence chrétienne, you are in bad hands. Vous êtes dans les mauvaises mains. You are on your road back right there. Vous êtes sur votre chemin de reculant. Under the influence of the Holy Spirit. I mean, remember that just as soon as you get from under the influence of the Holy Spirit. Souvenez-vous, aussitôt que vous quittez l'influence du Saint-Esprit, he said, I don't care what the boy is or what the girl is. Il dit, peu importe qui est ce garçon ou qui est cette fille, if they are not saved, keep away from them. Si ces gens qui ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit, peu importe ce garçon ou cette fille, s'ils ne sont pas sauvés, keep away from them. Tenez-vous loin d'eux. Amen. Amen. So when you are going to school, si vous allez à l'école, you may have friends. Vous pouvez avoir des amis. But don't get yourself under the influence of your friends. Mais ne soyez pas sous l'influence de ces amis-là. So you must give your influence to your friends. Vous devez plutôt influencer ces amis. Because you are light. Parce que vous êtes la lumière. Jesus said you are light. Vraiment, Jésus dit que vous êtes la lumière. When you get among darkness, et si vous arrivez là où il y a les ténèbres, you must shine. Vous devez briller. You must give your influence to the people. Vous devez vous plutôt influencer les gens. If you can't put them under your influence, si vous ne pouvez pas les amener sous votre influence, so get away from them. Alors éloignez-vous d'eux. Amen. Amen. I think you've been blessed by this. Je pense que vous avez été béni par ce soir. God bless you. Dieu vous bénisse, Pasteur Mario. So we're in expectation tomorrow again. Et nous nous attendons encore pour demain. That you are going to speak to us and we're going to bless you. Et tu vas encore nous bénir demain. May the Lord bless you. Et Dieu vous bénisse. We are going to sing. Nous allons chanter. My Lord. Parle, mon Seigneur. Thank you.
10 o'clock in the morning. Yes. Yes. We start. Yes. We start 10 o'clock. It means that we are here live. Yes. Can you make it? Yes. Yes. Can you make it? Yes. You promise? Yes. Come. Young people, this one is for you. You promise yourself too. I promise. I promise. So if you come tomorrow by 10 o'clock, you find me here. Yeah. Amen. So tomorrow, 10 o'clock. So be on time so we can finish early. So tomorrow we are going to have two meetings. Yeah, two small meetings, don't worry. And we're going to have a break. We're going to eat and drink. Yes, we're going to drink water. And eat some food which has been prepared for us. So we are going to enjoy tomorrow. Today it was only the opening of our youth meeting. I believe that everyone has been blessed. Amen. So I'm going to keep you on. So I'm going to call Brother Mario if you can come and talk to the Lord prayer. In this channel, we play the same song while we are going to go out. And one thing, don't go outside. So have a fellowship inside because we've got neighbors here. We don't like noise. Please don't go outside. Stay in the building. I'm sorry about that, but you have to do it. You understand? Yeah. N'allez pas dehors pour la communion. Parce que nous avons des voisins très compliqués. Restez ici dans la salle. Nous allons communier ici. Amen. Amen. Let the Lord bless you. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this time in your presence. We thank you for the words of life that have come forth. Lord Jesus, we know whenever your word comes forth, there is a purpose why you send forth your word. We pray, Lord, for your purpose. May it not be defeated in our life, O God. What we have heard tonight, Heavenly Father, may you build rapturally faith in our hearts. May you help us to grow